Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 28 de notre incroyable aventure sur Horizon, évidemment, Forbidden West, et on devait trouver, souvenez-vous, un canon qui permettait de détruire le rempart pour le fragiliser. Qui dit fragiliser dit évidemment avoir enfin les accords, hein, si je puis me permettre, pour que le village envoie ses valeureux soldats. Donc il faut trouver un canon. On était passé devant, c'était pas la porte d'à côté, soyons honnêtes, c'était même relativement loin, mais l'important c'est qu'on savait où il était. On était passé encore une fois devant, juste avant d'atteindre ce village. Wesh, ça s'est envolé à une vitesse assez incroyable. Et le canon était donc à 150 pas d'ici. Si je retrouve un oiseau, ça pourrait être très sympa. Un aigle! Je crois que c'est un aigle. Où est le canon? Il est à 120 mètres encore. Il y a moyen qu'on n'y soit pas... On est passé devant, de mémoire. On a même posé la question. Mais... on l'avait pas pris. Ah mais non, c'est le canon! Les rebelles se sont dégotés une bonne puissance de feu. Voilà. Bien ce que je pensais. Cette chose en a un. Mais elle ne sera pas facile à abattre. Surtout avec ça. Je m'occupe du mastodonte. Toi, tu gères les autres. On y va quand tu veux. Ah! Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici que je pourrais utiliser contre cette chose? Faiblesse, la glace résiste au saut. L'attaque va débuter. Hop, mort dans le film. Ok. Oh là là. Il y a un bordel là. Je pourrais faire sauter ça avec les bonnes munitions. Une flèche de gel quoi? Une flèche de gel dessus pour la faire sauter. Ok, très bien, j'ai pris ma part, mais d'où je ne... Ah putain, mais il a des missiles sol-air, le con! J'avais pas vu! Attends... Vache, frère, t'abuses, toi! Ouais. Eh ben, écoutez... Ok, let's go! Ça va être très très chaud. Ça va être très très chaud, je préfère vous le dire. Okay. Incroyable. Oh oh oh, ce qui m'a décroché. Waouh. Ok. Le mec était censé s'occuper des petits gars à côté. Alors ça, ça va nous prendre un épisode, je te le dis, bichette. Hein. Waouh. J'ai plus de pâte explosive. Fouillez la zone. Appelez si vous voyez
quelque chose d'inhabituel. Ok. Très bien. Ok. Là, il n'y a plus rien là. Ils étaient trois, je me suis débarrassé des trois. Maintenant, c'est parti. Putain, c'est pas possible d'être aussi con! Sale folle! C'est trop toi! On sait pas d'où tu sors, cousine! C'est trop! On sait pas d'où elle sort! Y'a une meuf, frère, on sait pas d'où elle sort, elle me pèse! Je vais la démonter, cette chienne. Je sais pas où elle est, mais je vais vraiment la démonter. Hein. Je vais dire des choses horribles qui seront censurées par YouTube, hein, je vous le dis.
Fous-moi la paix! C'est déjà assez dur! Oh là là, j'en peux up! Beaucoup trop fort. C'est nouveau, ça vient de sortir. L'autre, il sert à rien. Ok. Je mérite pas de mourir. Je mérite pas de mourir. Ouh, je méritais pas de mourir. Oh la vache. Oh putain. Oh merci. La satisfaction. Quoi? Toi tu veux. Mais c'est toi qui me casse les couilles depuis 2 heures. Mon armure. Ton armure, tu vas voir. Bouge pas, bibiche. Voilà, je m'occupe de toi. Voilà. Allez, hop, brisage de nuque. Hein. T'as été une belle petite chienne, toi. Oh putain. Bombardez-moi ça de likes. Je sais pas si vous vous rendez compte du merdier là. J'ai vraiment pas hâte de transporter ce truc jusqu'au rempart. Tiens. J'ai plus qu'un bras, mais mon dos est encore solide. Bon. Après toi. Je peux néanmoins vous le dire, parce que bah, ça sera sûrement coupé au montage, évidemment. J'ai fait 5 tentatives différentes en tout. Vous avez vu la toute première. J'ai skip la deuxième. La troisième, j'ai failli le tuer, mais je me suis fait baiser. Et la quatrième, je me suis fait baiser aussi, alors que j'étais à plus de la moitié. Là, c'était la cinquième, donc. Et c'était pas facile. Ah, ça fait du bien d'avoir le dessus. Pour une fois, tu crois vraiment que cette chose pourra faire l'affaire? On va vite le savoir. Non. Non, je suis passé à côté de ça. Je suis passé à côté de ça. Là, il y avait un canon ravageur. Et on s'est battu pour un canon qui était sur le dos du truc. Je suis vraiment passé à côté de ça. Mais attendez, ça n'aurait rien changé. Mais j'ai la haine, les gars. J'ai la haine. Oh, vous êtes des salauds. Vous nous envoyez faire une mission alors qu'il y avait un truc qui était déjà tout prêt à bout portant. Attends, quoi? Retournez voir Kotalo. Est-ce qu'il a le ref? Est-ce qu'il a ce fou? Ok, ça, je pète pas. Hein. Est-ce qu'il y a mon ref? Bah, viens. Mais il est où? Viens, bibiche. Allez, viens. Ah ouais, mais il a le canon, alors putain, faut pas qu'il se bloque. Non, ça va. Oh là 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 là. Beau. Elle est belle, celle-là. Elle est belle. Comme on les aime. Alors, par contre, il est où le bordel? Il est où le merdier?
laisse tomber. Oh putain, non, attends. C'est bon, il est là-haut. Il est là-haut, il est bleu. On va le choper. Allez, la peau de hibou, c'est fait. C'est le merdier, hein. C'est vraiment la merde, hein. On peut se faire ça quand même. Ça, on peut plus, ça, on peut plus. On peut se faire ça. Et on a ça. Oh, quel merdier, quel merdier, quel merdier, si je puis me permettre, excusez-moi de cette expression. On va save parce que plus, pas deux fois. Ça a été le boss le plus terrible qu'on ait affronté parce qu'il avait non seulement des missiles sur le Teco. Non, ça a été assez terrible, hein, vraiment. Je préfère vous le dire, je ne veux plus le refaire. Ça a été dingue, ça m'a épuisé un nombre de flèches très conséquent. De toute évidence, vous l'avez vu. Donc on va poser le canon là-haut, tout ça pour un... Alors qu'il y avait des canons dans des stands à côté, c'est... Ça, pour le coup, ça n'a pas de sens, je suis très fâché, voilà. Très très fâché. Allez, pose ça la bichette. Le voilà. Mais il te faudra plus qu'un canon. Il te faut un miracle. C'est bien possible. C'est bon ? Vas-y. D'accord. Je dois faire exploser quelque chose. Bon, j'ai été de mauvaise foi, c'est pas du tout. Ça fonctionne. Pas explosé. J'ai été de très mauvaise foi. Ça ne marchera jamais. Eh bien, n'est-ce pas émouvant à voir? Deux enfants qui jouent à la guerre. Vous viendrez peut-être à bout du rempart dans 10 ans. Allez, vous vous êtes assez ridiculisé. Laissez cette pauvre montagne tranquille. C'est ta dernière chance, tes côtés. Tu peux encore répondre à l'appel des carreaux. Tu n'as pas l'air de comprendre, c'est ta dernière chance. Quitte cet endroit sauvage, pars et prends l'estropie avec toi. Caché derrière ton mur, tes côtés. Tu vas devoir rejoindre Ekaro. Jamais. Jamais. Nous allons le rebâtir. Immédiatement. C'est inutile. Le rempart n'a pas pu te protéger d'un seul canon. Sans parler de toute une armée de machines. Le seul moyen de t'en sortir est de faire front commun contre Regala, avec ton chef. Tu as dit que tu n'enverrais pas de candidat tant que le clan serait en sécurité derrière le rempart. Envoie-les dans ce cas. À moins que ta parole n'ait aucune valeur. Allez-y. Je ne t'entends pas. Envoyez les candidats. Je suis impatient de voir les couleurs du clan du ciel dans l'arène. Bah, ce qui est bien, c'est que même dans le futur, il y a beaucoup d'ego quand même. Beau travail, Maréchal. Que va devenir cet endroit? Ils devront vivre sans leurs murs. Mais ce sera mieux que de vivre à l'écart et à devoir subir les manigances de tes côtés. Si tu veux savoir ce qu'il en est, parle à Jera, la chapelaine de ce clan. Si quelqu'un a besoin d'aide, elle le saura. Bon. Peut-être, alors. Alors, je vais te laisser. Je dois faire mon rapport à Ekaro. On se retrouve au Coolroute. Tant mieux. Là-bas, il nous faudra encore un autre miracle.
devrais peut-être aller là-haut pour voir si tout le monde va bien. Et pour trouver cette chapelaine, Jira. Et puis, je vais sans doute devoir me ravitailler avant de repartir. Allez, on va quand même checker là-haut. Il y a beaucoup de quêtes secondaires. Pourquoi pas toutes les prendre? Ça peut être très 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 sympa. En plus, on a des points de compétence. On a monté de niveau. On a gagné de la santé. C'est incroyable. Donc là, on a bien avancé grâce à ces petites quêtes des familles. Évidemment. Alors, déjà, en points de compétence, souvenez-vous, je voulais impérativement... ça, je l'ai déjà, par contre, je veux l'améliorer. Je veux l'y améliorer, pourquoi? Parce que le rayon de dégâts, il est de plus 30%, et charge électrique, 300 et 600, donc, en vrai de vrai... Ouais, et là, rayon de dégâts, oui, ça double, ça peut être juste insane. Combien ça coûtera? 5? Eh ben, en attendant d'avoir 5, rien à péter. Et on aura un pouvoir juste exceptionnel. Utiliser établi. Alors, bibabibaboum. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Rien d'intéressant à ce niveau-là. Amélioration d'armes, néanmoins. Il y a des choses à faire. Arc de précis. Ah, ça peut jouer, hein. Ça peut jouer, hein. Il faut... allez. On n'est pas des crevards, on n'est pas des pinces ici. Hop, c'est déverrouillé. Ok. Aussi. On améliore des petits trucs à gauche, à droite. Ça mange pas de pain. Très bien. On peut bien s'arrêter là. Enfin, s'arrêter là. Non, vous l'aurez compris. On va prendre toutes les quêtes, les potes. On va prendre l'intégralité des quêtes. Je sais pas si on les fera en vidéo. Mais au moins, c'est fait. On les a. D'accord. Donc, c'est ce qui m'importe. Oh, il y a une quête juste derrière. Comment on fait pour y accéder? Comment on fait pour y accéder? Comme ça, peut-être? Bien sûr. Allez, go. Qu'est-ce qui se passe ici? La briseuse de mur. Le frère de Jekka s'est précipité vers une mort certaine. Il ira jusqu'au bout, je le sais. Ça m'étonnerait. Mon frère Pento a voulu faire le voyage des 10 pour obtenir sa marque. Il devrait déjà avoir fini, mais il ne revient pas. Jekka! Itaka! À l'entraînement, allez! Ton frère aurait dû s'en tenir à ses corvées de ménage. Tu pourrais aller voir où en est le voyage. Si je pars, je risque de m'attirer de gros problèmes. Et on risque aussi de penser que je doute des capacités de mon frère. Et ça, c'est faux. Je comprends. Tu ne peux pas rater les marqueurs, près de la cascade à l'ouest. Si je vais par là, j'irai jeter un œil. Merci. On se relâche pas, soldat. Allez, une quête secondaire. Oui, c'est fait. Top. On a une quête en haut. Alors là, on va trouver la bibiche. Il va falloir se réveiller tôt, c'est ça. Et on a aussi une quête par ici. Ok, juste là. C'est bon. Allez, quête numéro 2. Comme ça, on les fait au passage. Ça va être très très cool. Talon m'a dit de venir voir si tu avais besoin d'aide. Courageux à toi, briseuse de mur. Ensevelir tes côtés sous les gravats du rempart. Je voulais juste... Du calme. Tu as de nombreux soutiens dans le clan. Le maréchal Kotalo a bien fait de t'envoyer. Tu peux m'aider à résoudre un problème. Certains de nos soldats l'ont suivi à l'ambassade de Cagnard en enfreignant les ordres de tes côtés. Ah oui. Je me souviens que Kotalo est arrivé en dernier avec une poignée de représentants du clan du ciel. Quand ces soldats sont rentrés chez eux, tes côtés les a affectés à une vieille tour de guet. Une tour que nous avions abandonnée aux machines. Il a affirmé qu'étant donné la situation tendue, elle devait être récupérée, mais ces soldats ne servent à rien là-bas. Si cependant ils étaient rappelés à la demande de la championne des carreaux, tes côtés ne pourraient pas s'y opposer. Surtout si leur chapelaine approuve leur retour. Je dis aux soldats de rentrer et je donne une nouvelle fessée à tes côtés. Ça a l'air facile. Va au Rafale, un peu plus loin, vers l'ouest. La tour de guet est près des chutes d'eau. Là-bas, par là qui va, leur chef d'escouade. Bonne chance. Ok, une quête, un appel et une réponse, évidemment, supplémentaire, acceptée. Mais alors, cette quête-là, où elle est, là, cette quête? Et d'ailleurs, il y a un tailleur près de celle-ci. Waouh! C'est... Oh! Ok, j'ai trouvé. On va prendre un petit raccourci, les potes, vous inquiétez pas.
Et après, on va pouvoir s'arrêter là et on va aller voir le tailleur. Pourquoi pas se faire un petit costume en bonne et due forme. Ça peut être très très cool. Et il me semble que dans Horizon 1, on est allé chercher une tenue assez exceptionnelle qui faisait un bouclier tout autour qui était assez folle. J'espère qu'il y a une tenue identique ici même. Ça pourrait être cool. Vous demandez de quoi vous parlez ? Ah, Seriva refuse de comprendre. Elle prétend que Ferika, notre camarade, a volé sur les ailes des 10. Mais moi, je dis que s'accrocher à un oiseau tempête, c'est pas voler. Une Ténac a monté un oiseau tempête ? Elle s'est envolée dans le ciel. Mais dire qu'elle l'a monté, c'est pas tout à fait exact. Tu le reconnais ? Tu parles d'elle comme si elle était morte. C'est le cas. Après s'être accrochée à la machine, elle a été emportée au sommet de cette montagne. L'oiseau tempête y rôde toujours. Mais on n'a plus jamais revu Ferika. C'est triste. Quelle mort atroce. C'est vrai. Quelle honte que personne ne puisse atteindre ce sommet. Elle était très courageuse, avec une armure exceptionnelle. Elle ne sert plus à personne, là-haut. Oh ! Je suis assez douée pour l'escalade. Je n'en doute pas. Mais à moins que tu veuilles faire comme Ferika, ça paraît impossible de grimper là-haut. Pour l'instant. Oh ! Ils étaient en l'air. Premier vol ! Oh putain, faut être niveau 32. Bon, les gars, vous avez un petit peu abusé, là, non ? Tranquille. Ah ! Jusqu'à la quête des 10 soit terminée, il faut faire les ailes des 10. Bah ça, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant. Allez, on va voir le tailleur, voir s'il peut me refaire un nouveau costume, comme on dit dans le milieu. Ça, mon ref ? Tenue. Est-ce que je peux comparer, s'il vous plaît ? Ok, pas ouf. Pas ouf. Est-ce que je peux comparer, s'il vous plaît ? Profil bas, distance, furtif, moins 20... Ok. C'est pas les bonnes tenues, c'est pas les meilleures tenues. Il me faut un circulateur, ok. Bobine et tissu, et racheté. Pas fou, hein. Pas fou, mine de rien. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Où est notre quête? Est-ce qu'on a une quête? On a le voyage du soldat. Quête annexe. On a le voyage du soldat. On peut le faire si ça vous tente. Service personnel. Et le principal, on a beaucoup de trucs. Bon, bah écoutez, on va faire le voyage du soldat. Ces deux points de compétence, c'est pas rien, je trouve. Et plus ça en tacticienne Ténac. Allez, go. Go, go, go. Bien envie de kiffer, bien envie de voir un petit peu ce que ça va donner. On va la commencer, on la finira sûrement la prochaine fois. À condition déjà que ce soit le bon chemin. Pas du tout! Ok, il faut quitter ce village de mort. Oh, l'air est glacial. On y va, on quitte ce village. Yo, ça va ou quoi? Vous avez pas ça, vous, hein? Ok. Bon, eh bien écoutez les amis, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je me dirige tout droit vers la quête. Et on est parti pour cette petite quête secondaire des familles. Que nous allons faire immédiatement dans le prochain épisode. Allez, bisous tout le monde. Bye bye.